Alors, on va continuer notre première application avec l'appel de Coluche par d'autres interventions, dont celle de l'abbé Pierre. Une répétition en 93 de son appel du 1er février 1954. Alors, que fait l'application? Quand on clique sur l'image de Coluche, Comme ça, si des fois il y a des marques qui son m'entendent, discours je fais un commence. petit peu de Et publicité quand on tous les clique de jours. nouveau, son appel s'arrête. Si je reclique sur la tête de Coluche S'il y a des gens et qui qu'ensuite sont je clique intéressés par sur sponsorer l'image de l'abbé une cantine Pierre. gratuite, Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel. on voit que l'appel de Coluche s'arrête et l'appel de l'abbé Pierre commence. Donc, il n'y a pas de chevauchement entre les deux appels. Voilà. La manière de programmer cette application va vous conduire à découvrir des commandes de type si/sinon qui permettent au programme de se comporter différemment en fonction de l'état ou des actions en cours de votre téléphone. Ce sont des commandes extrêmement puissantes que vous utiliserez de façon très courante en programmation. Alors, bonne découverte et bonne programmation.